Bienvenue à tous pour ce stream de l'angoisse. On reprend notre petit let's play consacré toujours à comment ça s'appelle déjà? Ève, Parasite, Ève. Et donc on s'était arrêté à l'hôpital. Il me semble qu'on était proche du boss. Et oui, j'avais certainement dû rater quelque chose, il me semble. Non, je voulais pas aller là. On a vu une nouvelle arme et finalement, bah, j'ai pas refait en off. Je me suis dit après avoir vu les replays d'hier soir. Puis finalement, je fais avec une balle, j'ai fait autant de dégâts qu'avec deux. Alors je me dis que pourquoi pas. Quoique là, non, j'en fais pas beaucoup. Quoique si, j'en faisais 30, je crois. Aïe, pas dans ma face. Par contre, le crit est plutôt pas mal. Voilà, dans ta petite face. Je sais pas si c'était pas le bon. Ah si. Si, bon. Et donc, bah, je suis un peu en retard aussi ce soir. Bon, ça change pas d'habitude avec les vacances. Je le suis encore plus que d'habitude. Mais ça permet d'avoir un peu plus de fraîcheur, parce qu'après c'est difficile de se concentrer. Hein. Et je sais que tous mes fans attendaient mon retour en tant que PGM du jeu rétro, la classe atomique. Voilà, donc je m'excuse auprès d'eux. Ceux qui viennent voir mes exploits en live, mes futurs fails. Et on a pris un level. On est passé level 21. Ça c'est cool. Ça c'est encore mieux. L'avantage aussi sur cette arme, c'est qu'on a un gros chargeur. Le problème de l'ancienne arme qui ressemblait un peu à un fusil à pompe mélangé à lance-roquette. C'est qu'il n'y avait que 5 munitions. Alors déjà le dégueuleur. Ah, par contre j'ai peut-être pas fait le bon choix si c'est bon. Ça devrait passer s'il me coince pas. Dans sa phase, voilà. Oh, on commence avec des drops, c'est pas bon signe ça, c'est quoi ce bordel? Que t'arrive-t-il? Merde, j'ai tout ramassé comme d'hab sans faire exprès. Alors, il me semble qu'il y a eu un bug. Une carte standard, qu'est-ce que c'est ça? Carte à collectionner. Voyons ce que c'est. Est-ce qu'on a un détail? Regardez un peu ce qu'on a en médicaments. Pas mal, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'irai voir au commissariat si ça sert pas. Peut-être à ça que ça sert. C'est pas les outils plus. Et non, en tout cas, c'est à l'étage au-dessus que je voulais aller. On dirait que le stream a été coupé net et ça a repris, ça a l'air d'être stabilisé. Donc espérons que ça dure comme ça, je ne sais pas ce qu'il a eu. J'imagine une micro-coupure. Alors, choix de l'étage, nous on va au deuxième. Il me semble que sur la version Riken, c'était le 13e étage, pas le 12e. J'ai un petit doute là-dessus, mais je sais qu'il y a des petites variantes. Ça, c'est l'ascenseur, on avait dit. Pas un truc là. Jamais. Alors, en face, il y avait le Chrysler Building, normalement.
Il me semble qu'il y avait un combat ici. Il n'y est plus. À la résidente. Voilà, c'est ça que j'avais pas vu. Je sais plus ce que j'avais laissé. Un antipoison, donc. Bon. On est passé à 296 de vie. Je vais faire ça. Voilà, je suis pas full, mais j'en ai un peu. Et donc, on a ouvert la porte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un combat. Voilà, une question, une réponse. Ah, on a le jeteur de balles. Calme-toi bien. Olé. Aïe. Ouch. Tu fais un peu sa fête, mais non, alors qu'est-ce que ça nous fait ça? Un 4, ça va me saouler ça. Mais non, j'appuie trop tôt. La barre, elle est pas finie de charger à chaque fois. Bah oui, vas-y, va dessus. Va pile là où ils sont. Yo, Ulmin, comment ça va? Ah, je savais que le petit émoticône Zelda avec l'épée, il ferait effet. Non, pas de vitamine. Alors, vie 215, sans remède. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on va jeter? Mais non, ils sont pas nuls, il y a des chats tout mignons. Sérieux? Oh oui, je prends ça. Si je me rappelle bien. Mais non, c'est pas comme ça. Alors, si je me rappelle bien, c'est l'esquive, donc c'est le cri de chance. Bah, je savais que tu serais le seul en fait à me demander à quoi il servirait. Comme quoi, je suis très malin. J'y avais déjà pensé cet après-midi, tu vois. J'ai anticipé ta question. Dégage, feu d'artifice. Ah, c'est chiant, il y a du drop ce soir. C'est super chiant. Oh. Vas-y, j'ai pas envie de jouer au boulet.
Ouais, non, mais là j'ai un petit souci, je t'avouerai. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je pense que ça va se calmer dans pas longtemps. J'avoue que c'est très chiant quand ça fait ça. J'ai pas eu de soucis hier. J'en ai marre de servir de qui. Ah bah t'as de la chance, c'est WoW, c'est pas Niver. Ça pourrait être pire. Je peux te dire sincèrement qu'il y a bien pire que ça en pub. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La ferraille, bah oui, bah voilà. La liste des AHA. Des HLA, pardon, putain, je bug. Les noms de Ben et de Lorraine sont inscrits ici aussi. C'est la même liste que sur l'ordinateur de Clamp. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ce sont les dossiers des patients. Mariko Brea, c'est celui de ma mère. 23 décembre 77, arrivé aux urgences avec Maya Brea suite à un accident. Décès prononcé après arrêt cardiaque. Maya Brea, sa fille. La page suivante est manquante, elle doit être quelque part. Ah non, mais ça c'est relou, les pubs avec le skip, tu dois attendre 1 heure pour le virer. Genre, des fois, c'est limite la pub, elle est bientôt finie, quoi. Qu'est-ce qu'on va virer? J'en sais rien. Putain, pour ça, quoi. Mélissa Pierce. Celle-là doit être la même Mélissa. 23 décembre 77, hospitalisée d'urgence. Opération réussie. Sortie après 6 mois d'hospitalisation. Nécessite des soins médicaux hospitaliers. Mélissa et Maya ont été amenées à l'hôpital le même jour et opérées en même. Non, c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon inventaire est plein. Elle n'est pas censée avoir jeté la ferraille? J'ai pas ramassé les vitamines. Eh ben si. Voilà pourquoi je me suis fait avoir. Ah, la clé ascenseur. Des munitions. Allez, on doit approcher du boss et certainement de la fin de la journée. Que la phase de l'hôpital a duré une plombe. Alors je n'ai plus besoin de cette clé, je m'en débarrasse. Oui. Pourquoi tu ne connaissais pas Parasite Eve? Ou tu me parles d'un autre jeu? Ah, donc tu me parles bien de Parasite Eve. Bah, j'avais fait aussi le third sur PSP, mais j'avais pas accroché autant. C'était très spécial. Ce système où tu TP
à tout va à travers les corps, il faut vraiment accrocher. C'est beaucoup plus action. Mais le premier Parasite Eve, c'était une grosse tuerie à l'époque. À tous les jets de combat, pardon, préparez-vous au décollage direction Central Park. Souvenez-vous, pas d'attaque inutile, repérez l'ennemi par les airs et restez sur vos gardes. Manhattan est pratiquement déserte. Pourquoi ne pas simplement... Ah oui, fais tout sauter. Non, Lynch, nous n'avons pas encore reçu l'ordre d'attaquer du président. Pour l'instant, nous devons chercher les disparus du parc et mettre la ville en état d'alerte. Fear Effect, oui, je connais. Tout à fait, c'est un peu dans la même veine en cel shading. Mais c'est beaucoup plus long, par contre, je crois, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Mais il me semble que la durée de vie est un peu plus poussée. Mais les mecs qui passent en rase-motte, c'est des grands malades. Ah ouais, c'était bien obligé. Oh non, un tube vide provenant de la banque de sperme. Bah s'il est vide, il sert plus à rien. Ah bah voilà quelque chose d'utile, un fauteuil roulant. Moi j'ai connu si je me rappelle bien, dès 95 sur la PlayStation Jap avec Toshinden à sa sortie. Donc ça remonte pas à hier, hein. Quasiment 20 jours. 20 jours. Ouf, putain, mais moi je suis à l'ouest ce soir. 20 ans. J'arrête de raconter de la merde. Non. Reste pas coincé. Par contre là, je sais pas si je vois quand il charge sa boule. Eh ben trop tard. Oui, je vais le voir. On va mettre la barrière au cas si on coince avec ces toiles. Ouh, c'était limite. Ah, mais je lui fais nos dégâts. Pas ces conneries. Merde, tu coincé. Ah, si les crits marchent. Heureusement que j'ai mis la barrière. J'arrive à m'approcher. Ah voilà, ça c'est mieux. Si tu peux éviter de... Mais non, mais te barre pas. Ah, saloperie. Yeah. Alors, on va prendre un médicament. Quand tu peux pas bouger. Mais bon, ça c'était l'époque où Squaresoft faisait des très très bons jeux. C'est pas juste du simple bon jeu. Non, mais c'est abusé que je puisse pas bouger. Alors normalement ça devrait être bon, voilà. Allez, lâche. Bouge.
J'ai l'impression d'être accroché au sol quand je cours. Ah mais non. Alors ça c'est dégueulasse. Et merde, ma barrière en plus elle est cassée. Prendre une boule de feu. Allez, lâche-moi là. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas de bol. Dès que je peux bouger, j'ai pas le temps de me mettre à l'écart. Ouch. Allez. Ça y est. Je l'ai eu. Ah non. Et il y a une deuxième phase, c'est vrai. La phase gros plan. Alors c'est risqué, mais ça se tente. Voilà, comme ça on va lui faire la moitié des dégâts. Allez, sors du stunt. Eh ben j'ai pas de bol. Fait plus de dégâts là. Allez, bouge. Bon, c'est rentable quand je crit. Et mince. Bloqué par l'écran. Ah non, mais fais pas de miss. C'est pas le moment de misser. Allez. Non mais il n'y a plus de toile d'araignée là depuis une semaine. Sérieux quoi, j'aurais pu éviter de me prendre un coup en plus. Ok, un niveau. Alors le parasite énergie a évolué à soin 3. Ah ça c'est bon ça. Ça va nous servir une nouvelle arme. Ah, on a enfin retrouvé Ève. Ainsi, tu as réussi à me trouver. Tu vas utiliser ce sperme pour donner naissance à l'être ultime. Tu es brillante. Le premier rejet s'est produit il y a quelques années sur une île à l'est. Là-bas, ma sœur a commis une erreur qui lui a été fatale. Je suis au-dessus d'elle sur l'échelle de l'évolution. Je ne commettrai pas la même erreur. Tu n'es pas ma... Tu as été longue à la détente, hein? Non. Vous n'êtes vraiment que de faibles organismes dépendant des machines pour faire tout le travail à votre place. Ne fais pas ça. Oh non, non, Eve. Alors on va pouvoir voir le pouvoir des mitochondries.
Tu viens d'assister aux limites des humains. Je t'en prie, arrête ça. Que se passera-t-il si je refuse? C'est dommage que l'on ne se comprenne pas. Le jet, il va s'écraser sur le toit, je dois vite partir. Ouais, je me casse où? T'as rien, moi. Moi, je cours par là. Je sais pas pourquoi, mais je cours là. Ah, bah, il y a un truc. Vas-y, saute! Heureusement, le laveur de vitres avait oublié sa nacelle. Oh non, le frein! Perso, moi, plus que l'araignée, c'est le truc derrière qui m'a fait peur. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc bizarre. Bon, bah, la fuite, je suis pas sûr que ce soit le bon endroit. Non, mais tais-toi donc. Ah, mais ça veut pas crever cette saloperie. Oh, calme-toi bien, araignée. Voilà. Des munitions, je prends. Ouf. Elle a réussi à arrêter la nacelle avant qu'on touche le sol. C'était quand même limite. Par ici, Maïda. Ah, on a retrouvé Daniel. Aya. Et notre ami scientifique japonais. Alors, nous n'avons pas le temps. Eve s'est enfuie avec un échantillon de sperme. Ah, encore une balade en voiture. Merci de m'avoir sauvé, Daniel. Étudie ce qui te chante, mais à l'avenir, pense à t'intéresser à d'autres trucs, mon gars. Aucune fille ne voudra sortir avec toi si tu ne t'intéresses à rien d'autre. Quoi? Non, je... Daniel, tout est revenu à la normale au commissariat? Oui, et d'ailleurs, j'ai trouvé plusieurs infos sur Clamp, cependant. Enfin, bref. Il y a quelques années, un docteur qui travaillait à l'hôpital a été viré pour avoir distribué une liste de patients. Une liste? Je veux dire comme celle des HLA? Ces types ont vraiment accès à toutes les données. J'ai d'autres infos également. Ça me vient de Warner qui bosse sur Melissa. Elle a été aperçue à plusieurs reprises se rendant au musée tard dans la nuit. Eve, elle allait au musée? Ah, je suis choqué. Il faut que nous allions là-bas, nous devons nous y rendre avant la naissance de l'être. Du calme, petit, c'est comme si on y était. Maya. Et non, moi je veux pas aller au musée, je voudrais d'abord aller voilà, au commissariat. Voilà, ça c'est cool. Donc j'imagine qu'ils m'ont pas amené ici au hasard. Salut Cathy, comment tu vas? J'ai entendu dire que le capitaine avait sauvé la vie du petit Ben. Shiva était sa partenaire quand il n'était encore qu'inspecteur. Ça a dû être dur pour lui de la battre. Non mais c'est bon, c'est moi qui le définis. Fous de ma gueule. Elle. C'est pas lui qui s'est tapé le Cerbère. Alors, par ici. Je vais aller voir si je peux utiliser. Ok, c'est pour lui les cartes. C'est quoi ça? Mais en fait, j'en ai pas encore une seule.
D'accord. Moi, j'ai ramassé ça. Mais je peux pas améliorer ça. Ah, il faut que je lui donne ça. Voilà. Et donc, moi, je voudrais améliorer ça. Ah cool, il met un compartiment, donc si j'ai de la chance, je pourrais peut-être tirer deux fois. Ça m'arrangerait beaucoup. Assez sympa ce petit côté craft. Et voilà, un vrai jeu d'enfant. Alors, carte rare, j'en ai pas. Ouais, on fera pour Torres. Alors, regardons un peu mon équipement. Ah ouais, non, mais c'est des saligots, les mecs. Ils m'ont même pas remis ma vie. Sérieux, quoi. Alors, je voulais regarder mon arme. Ouh, un G23 où on peut tirer trois fois. C'est quoi ces stats? Ah, re mine. Pourquoi je peux pas voir les stats? Alors, il fait 48 de dégâts, 60 pour 10. Je peux tirer 3 fois avec. C'est plutôt pas mal, ça. Faudrait que je le teste. On va le tester. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au gun. Alors ça, j'ai dit que j'attendais d'avoir un peu plus, d'être un peu plus vers la fin pour les utiliser. Vais me mettre un petit soin 3. Voilà. Que comme ils l'ont pas fait pour moi. Ok, on va aller dans le bureau de Baker. Ah yeah, l'inspecteur Warner a de nouvelles infos. Ah, est-ce qu'il se cache? Où es-tu, Warner Bros? Ah, ils sont ici. Ils sont là. Alors, il y a quelque temps, un certain docteur a été viré de l'hôpital pour avoir vendu les dossiers des patients. Mélissa, quant à elle, a été aperçue à plusieurs reprises se dirigeant vers le musée tard dans la nuit. Ève? Non, mais les mecs, ils se foutent un peu de nous, là. Ils nous répètent ce qu'ils nous ont dit dans la voiture. Clamp, l'enfoiré. Je savais qu'il était dans le coup. Nous allons nous séparer et fouiller toute la ville. Clamp et Ève vont sûrement bientôt se rencontrer. Ah, tu vois que tu l'aimes bien, mon chat. Bah oui, c'était de la blague de merde. Et t'as pas vu encore le Aya façon Karate Kid dans le premier live. Dépêchons-nous, il sera trop tard après la naissance de l'être ultime. Je vais fouiner dans le coin pour voir si je peux pas décoter quelques nouvelles infos. Je t'ai ramené un talkie-walkie, comme ça nous resterons en contact. Putain, les mecs, vous êtes des flics, quoi. Y a rien dans vos voitures. Je compte sur vous aussi, monsieur le scientifique. Waouh. Maintenant, séparons-nous et cherchons à la moindre chose suspecte, vous appelez les renforts. Tu n'es pas supposé rester ici, Daniel. Et ranger la paperasse à longueur de journée, tu te moques de moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu nous préviens si tu trouves quelque chose. Ah oui, ok, compris. Et t'as raté aussi hier mon doublage de série B. Alors on attaque le cinquième jour, donc qui est l'avant-dernier. Et donc celui-ci, c'est le jour le plus long.
Il me semble que le dernier jour, on se fait peut-être un petit, quelques petites choses vite fait, mais il me semble que c'est surtout le dernier boss. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Chinatown et on a Entrepôt aussi, il me semble qu'on n'a pas été. Ça me rappelle rien. On va aller faire un tour à Chinatown. C'est très austère le coin. Je trouve pas ça très accueillant perso. Hein. Proche, non, je dirais pas ça non plus. Mais disons que je suis dans la dernière partie. Mais là, c'est la phase où il y a le, je pense où il y a le plus de recherche. Il y a une partie labyrinthique et je pense que c'est là où il y a le plus de boss aussi. Donc je pense pas que je finirai le jeu ce soir, mais peut-être demain. C'est une possibilité. Ah mais ça m'a même mis 3 balles. Oh mais c'est bien ça. Merde, j'ai oublié de regarder les dégâts que ça faisait. Par contre ça fait beaucoup moins de dégâts. Ah mais non, c'est celui-là qui fait 3 balles. Mais le jeu, non, il est pas super long. Il doit faire une dizaine d'heures, je dirais, peut-être max. Après, je sais pas de mémoire. Je suis pas sûr à 100%. Là, je suis à quoi? Je dois approcher les 6 heures de jeu. En sachant qu'il y a eu des petits fails. Alors, qu'est-ce que j'avais? Moi, j'avais ça. Que je me trompe pas, j'ai toujours mon M16. Ah non, il m'a rajouté 3 balles là. Donc il m'a agrandi le chargeur. Donc certes, je vais faire plus de dégâts. Non, il n'y a pas du tout de difficulté. Après, en sachant qu'en plus c'est pas spécialement un jeu qui est réputé pour être dur. Bon, je vais garder celui-ci. Ah, je crois que j'ai vu un coffre. Un PE plus 1. Quel bip? Où est-ce qu'il est le PE? Ah, il est là. Je l'avais raté. Alors, le PE ça donne. Ah, oui, c'est pour ça, ok. Le bip quand je suis dans les options? Mais après, même pour un jeu court, sincèrement, il vaut le coup d'être fait. Hein. Même encore aujourd'hui, quasiment 20 ans après. Moi, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est des fois quand tu passes sur certains objets, ça compte pas que tu as appuyé. Donc c'est vrai que des fois, tu appuies plusieurs fois et ça peut vite devenir chiant. Il n'y a pas de rejouabilité, je pense, surtout. Quoi que j'ai dit des conneries, si. Parce qu'en fait, t'as un New Game Plus et t'as des trucs en plus. Merde, je crois que je me suis trompé. Non, c'est bon. Je croyais m'être trompé. Donc, si, il y a une rejouabilité quand même.
Je dis des conneries ce soir. Ah, j'ai raté ma feinte. Putain, mais il m'a encore poisonné. Saloperie. Oui, parce que dans le New Game Plus, tu as le mode Chrysler. Le Chrysler Building. Qui est René en plus, parce que tu as la version comme je suis en train de faire qui est Speed René et la version justement Chrysler. Les deux sont distinctes. Alors là, je vois qu'il y a un téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les ruelles? Non. Ah là, il y a un coffre. Ouh, ça a l'air intéressant ça. Ouais, je crois que c'est ça, taper B aujourd'hui, et voilà, je m'en suis pas remis. Je suis obligé de l'admettre. Alors, c'est ça que je viens d'avoir. Alors, un petit peu plus faible. On va voir ce que ça donne. On va le tester. Le problème, c'est que j'ai plus d'outils. Parce que oui, tu peux aussi fusionner des armes dans le jeu. Comme les armures. Où tu vas avoir des gains en termes de stats. C'est à toi de choisir. Tu peux faire de la merde comme tu peux faire un truc super bon. Alors généralement, moi, je me rate sur les armes, mais sur l'armure, pour l'instant, je me suis pas encore raté. C'est quoi ça, une plaque d'égout? Non. Pas ce que c'est. Ah bah là c'est là. Bah si, donc le truc d'avant ça devait être aussi une plaque d'égout. Non mais il y a un coffre, laisse-moi. Ah y'a par ici. Pourquoi tu veux que j'aille par ici? On dirait de la chair pourrie. Je descends jeter un œil. Préviens Daniel pour moi. Oui, attendez, prenez ça. Non mais lui j'en veux plus. Ah merde, c'est ça que j'ai oublié de faire au commissariat. Je voulais aller dans le casier. En plus j'ai vu la porte et je savais qu'il y avait un truc qui m'appelait dedans. Soyez prudente. Alors, 30 munitions.